Ce matin, les hommes des services de renseignement israéliens présentaient à la réunion du cabinet les estimations des menaces auxquelles Israël devra faire face en 2008. Au programme des discussions, la situation à la frontière nord, la Syrie, le Hezbollah, l'Iran et sa puissance nucléaire et les chances de parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens. Le premier ministre Ehud Olmert a lui tenu à rassurer les Israéliens après l'attentat de la yeshiva du Merkaz Arab. על ביטחון אזרחי ישראל ועל ביטחון מדינת ישראל.